Ok. demain. Ouais, ça réfléchit fort. Bah, je vais devoir attendre demain, en fait. Oh J'ai pas le non. choix. Oh Bah, si. non, c'est abusé. Attends, il y Toujours. a. Mais tu le notes dans l'agenda, les machines ou... Ben, tu sais, en vrai, 2 h 30, après, faut étendre. Faut... Les 2 h 30, ouais, faut les compter. Pas les lancer le soir pour pas faire chier les voisins. Machin. Ah, Blablabla. elle sèche pas ta machine? Non, non, j'étends. Je comprends. Non, moi je suis rendue à une machine par jour là. Ouais. Ah bah, on est une avec un famille nombreuse enfant. là aussi. Hein. Mais ouais, hein, les bébés pour ça. Avec 15 enfants en plus, c'est chiant. Non, moi j'étale sur plusieurs générations, c'est mieux. Oh Je me concentre, oui. j'essaye de passer. Oh. Vas-y, you can do it. Au Et tout début, le monde faut viser, faut vider, faut viser, pardon, viser les la lune. Faut viser les tuyaux jaunes. Ok. Voilà, donc tu le sauras pour la prochaine fois. 2 h 30, mais oui, mais c'est pour des. C'est les draps, j'aime bien laver un peu plus longtemps quand même. En vrai. Je bon. Vous mettez pas les draps si. Un peu plus longtemps? Moi, les draps, après, c'est un. En plus, j'ai un truc économique qui chauffe l'électricité doucement pour éviter de payer trop cher l'électricité. Et là, du coup, ça dure super longtemps, ça consomme moins. J'avoue que moi, les draps, après 6 mois, ouais, je les mets un peu plus longtemps. Oh. Je mets 90 degrés pendant 8 heures. Merde. Donc pareil, moi je crois que mon programme de dry il dure genre 3 heures presque. Puis une machine c'est un délai en fait. Hop là. Hop là. Et c'est une... Victor Cali. On passe, Cali. On passe. Dites-moi que tout le monde passe. Qualification. Alors. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez. Oui. Fichot. Oui, c'est vrai que t'as dit chauffe l'électricité. Je crois que je suis à 42e. Après, et ben, ça se fait, hein. Et ben en fait la machine à la comment ça chauffe chauffe l'électricité chauffe l'eau l'électricité oui. qui chauffe l'eau c'est ça que je voulais dire. Ah, mais oui. Oui. Mais on le sait. Oui. Bah oui quand même. Ouais. Je voulais vous dire que je viens d'envoyer un message de blague super familier sur Michel ah, Scalabrine à mon prof au lieu de mon pote qui est le même prénom sur Team. Je suis ah, mort de honte, je voulais au moins le partager avec vous. Attendez, j'ai un message, j'ai un message en avant dans le chat. J'ai un message en avant dans le chat qu'il faut que je vous lise. J'ai Raton Laveur de Carreau qui est une ratus du coup qui vient de dire: je voulais vous dire que je viens d'envoyer un message de blague super familier sur Michel, c'est le Brésil du Palmacho, à mon prof au lieu de mon pote qui a le même prénom sur Teams. Je suis mort de honte. Un prof de quoi? Un prof de quoi, Raton Laveur de Carreau? C'est très important. C'est horrible. Il aura la ref aussi. C'est un prof de sport, c'est un bâtard. Mais même s'il a pas la ref, genre Michel, c'est le Brésil, t'es en mode de, comment ça, c'est le Brésil, genre? Bonjour, alors concernant le Brésil et Michel, je n'ai pas la référence. Veuillez m'indiquer exactement ce dont vous voulez parler, merci. Michel, c'est le Brésil. S'il a la ref, c'est incroyable. Va le Il y a pas de Michel ville. Dans la classe et nous ne sommes pas au Brésil pour raconter n'importe quoi. Arrêtez la drogue. Merci. Avec les fêtes avec vos petits copains là. Ouais, le jeudi soir là, on sait. Hein. Tu connais. On sait, nous aussi on a été jeunes. Hein. Au nu. 24 ans. Merci Rivaldi pour le raid. Merci beaucoup. Oh, bienvenue tout le monde. 24, en plus c'est mon âge. 25. C'est t'es tombé Nao? Bah, je me suis fait pousser, mais genre, moi Nao, j'étais là avec toute bienveillance et douceur sur mon petit truc et on m'a poussé, mais sans ménagement quoi. Oh non, un peu royal. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas de bienveillance. Il y a des gens éliminés et il y a des gens qui gagnent. Comme en sport. Comme en sport. Le sport, c'est la compète. Ok. Ah, tu vois? Quoi, tu vois? Cara la fraise! Oh non, et là vous allez dire que je fais 30 ans. Mais déjà, je suis content que tu m'aies donné 24, tu vois. Déjà, je suis plutôt content. Bah, je sais que t'es un petit bébou. Non, mais tu petit fais bébou. Pas 30 ans, hein. Faut arrêter. Hein. Non, tu fais pas 30 ans, non, mais arrêtez avec ça! À 42, quoi. Après, c'est peut-être parce qu'on le connaît bien. Non, non, mais il fait pas mais du ouais. Moi, je trouve que quand tu connais bien quelqu'un, tu peux plus facilement dire son âge, tu vois. Genre je veux dire. Moi, il y a des gens capables de me donner 24 avec ans. Avec sa petite alors... tête là, il fait pas 30 ans au nu. Alors, non, je fais pas 30 ans. Mais je pense qu'elle a K, mais. Ouais, c'est possible. Juste en live. Après, des fois, on me donne 16 ans. Hein. En fait, tu fais jeune Wingo quand même. Tu fais giga jeune Wingo. Après, c'est. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est souvent les gens te donnent l'âge par rapport au leur. De fou. Oui, c'est vrai. De fou. Ils se comparent à eux T'as et raison. Ils disent oui, il a l'air plus jeune que moi. Attends, mais moi j'ai tant et lui a tant. Oui, bien sûr. Je pense que faire ça est un leur.
Et on me donne 30. Mais après, c'est parce que aussi, je fais beaucoup de trucs avec toi qui a 30 ans et. Ah, mais arrête, coup, ça joue certainement. Ça joue certainement, effectivement. Quoi, frère Nao aussi, tu fais super jeune, je trouve. Ah ouais? Ah, trop bien. On met ça dure alors. Parce que maintenant, je suis une grosse daronne, tu vois, donc. Nao, la grosse daronne. Nao, la grosse daronne. Yay! Imagine, je prends tous les gens de haut maintenant. J'essaye de créer une méta Twitch de Daron en fait. Ouais, c'est pas sympa. C'est avec pas Marie. Et t'en trouves ou pas? Avec Marie, non. Il y a Marie. Ah oui, il y a Marie. Non, Maman éliminé. Oh non, Maman, oh, trop Maman. Dommage. Maman le seum. Je peux pas dire ça, il s'est resub tout à l'heure. Maman t'inquiète, on va refaire d'autres games. On retag après, Maman t'inquiète. Retag. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop de cas de maman sur Twitch en France. C'est, hein, c'est assez rare. Qui une streameuse qui s'appelle Enna Wolf, non pas Enna Wolf, si je crois que c'est ça. Et il y a Epsilon Tattoo, mais qui est TikTokeuse à la base et qui fait des lives sur Twitch de temps en temps aussi, qui est maman. Mais elle est grande sa petite. Mais oui. Elle est grande. Ah, oui, elle a 15 ans quoi. C'est quand même non, elle a 9 ans je crois, ouais. Ouais. Elle a 15 ans, ouais. Je trouve que je pense que être streameuse sur Twitch avec un enfant, ça doit être, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais ça doit être peut-être un peu plus simple si c'est pas un bébé, tu vois, genre toi oui. Nao, t'as un bébé quoi. Tu l'avais au pied dans le maxi cosy, genre c'est terrible. Probablement. J'ai l'air d'être une mère indigne quand tu dis ça, mais oui. Mais ah, non, t'es, bah, non, c'est pas côté, okay. Bah c'est trop, oui, bah, c'est énorme, bah, en vrai. Tu peux streamer ton enfant. Ouais, par contre, avoir une baby cam, je trouve ça un peu abusé. Oh, la baby cam de l'angoisse. Oh non, j'ai trop. J'ai pas ça, mais bon, si tu vas par là, il y a des 4 cams, alors c'est pareil. Oui, mais 4 cams, ils ok. Ah bon, pourquoi il y a une différence? Ont-ils donné leur consentement, ces non, chats? Non, je crois pas, en fait. Je pense pas. Vrai. Non, non, attends, regarde, moi je connais bien le chat, par exemple, de Rive, il fait exprès d'aller à l'écran, donc au bout d'un an, oui. Bon, ouais, mais bon, y a, là, généralises les chats. Et il y a les 4 cams, vraiment, genre. C'est quoi, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire oui. des caméras va. Mises au panier du chat, quoi. Ça va, ça peut rajouter un peu d'animation pour quelqu'un qui aurait pas d'imagination. Bah, un enfant, c'est pareil, du coup, si non. tu vas par là. Ça rajoute un peu d'animation. Non, parce que ça rajoute un peu d'animation. Je vais mourir, non. je vais me faire éliminer. Moi aussi, je suis dans les rouge. Rouges. Ah, merde. Mais moi aussi, je suis rouge. Ah, non. Je suis nul. Allez, non. Allez, les jaunes, allez, les jaunes. C'est pour ça que j'ai beaucoup de allez, les jaunes, allez. Bienvenue avec moi, c'est pour ça. Moi j'ai pas ramassé beaucoup d'anneaux, genre peut-être 6, mais voilà. Mec, j'ai dû en ramasser 3, je crois. Bah, en vrai, c'est. Non en vrai, 3 c'est bien. No joke. Non, peut-être 2, mec. C'est allez, un peu moins bien. Oh, je viens de ramasser un doré, plus ah, ça. Ah, c'est oh, mort non, là, on est de la baise, hein. On est de la ah, baise. C'est compliqué pour la fin, hein. Qui veut baiser Wingo, épisode numéro 9. D'ailleurs, ce soir, sur Wingo, je te baise en fait. Pourquoi hein tu peux pas changer la POV? Oui, oui, oui. Même la dernière fois, du coup, j'ai vu dans mon chat qu'il y a Arcanthos qui est arrivé en disant bonjour Wingo, je voulais juste savoir s'il était possible de prendre un ticket pour venir te baiser en fait sur Smash. Et du coup, il a eu son ticket ou pas? Non, je pouvais pas à ce moment-là, mais. Okay. Après, je peux rien dire, les deux matchs qu'on a fait la dernière fois, tu m'as battu. Hein. Juste comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je l'aurais pas dit de moi-même, mais tu viens de le dire, donc c'est. C'était nul si c'était avec. Oh non, la team rouge. Bon, bah, au revoir. Nous sommes séparés. On en profite pour faire une pause pipi. Ah, on lance à deux, ah bon? Non, je vais. Ok, j'arrive. Vas-y, vas-y. Dans quel monde 3 sur 81, c'est bien, t'es trop gentil. Il n'y avait pas 80 quand il a demandé. C'était au début. Ah, mais entre-temps, je crois que j'en ai pas rechopé, frère. Voilà. Le jeu est difficile, franchement, le jeu est pas simple, mais. Ah non, je confirme, hein. Moi j'ai des grosses difficultés sur ce jeu. Hein. Sur Fall Guys ou sur les anneaux? Bah, tout. Sur Fall Guys de manière générale. Sur le fait d'être parent. Aussi. Ah mais ça, il n'y a pas de notice. Hein. Ça, c'est technique un peu. Hein. Et ouais, justement, il n'y a pas de notice. Donc, il n'y a pas écrit si on peut utiliser nos enfants comme animation pour un live stream sur Twitch. Pourquoi il y a un parent au milieu là. Après, tu vois toutes les chaînes YouTube, Studio Bubble Tea, des trucs comme ça. Genre, ça commence à être vachement légiféré. Pour l'instant, je ne crois pas que du côté de Twitch, il y ait. Jurisprudence, cherchez le mot. Donc je sais pas comment non. ça pourrait évoluer, ça va venir, mais hein. Ouais, je pense que ça viendra effectivement. Alors après, normalement Twitch, il faut avoir 13 ans si tu es streamer. Mais c'est vrai que si tu non, fais un live aussi, un jour je crois, avec maintenant. Non, tu vois aussi. Ouais, les deux. Et je crois que ouais. Ah, mais je suis mort aussi. On peut quitter, non? Il reste qui? En tout cas, tu peux faire des lives avec des enfants qui sont accompagnés. Ça, c'est ce que je sais. Mais faut doser quoi. C'est marrant le accompagner, on dirait vraiment qu'ils vont prendre le train.
Je suis mort, hein, c'est pas moi. Ouais, hein. Non, mais c'est... Bah, on quitte du coup. Bah, je sais pas. En fait, il va y avoir pas mal d'épreuves encore derrière. Oui, c'est vrai. Allez, go. Bon courage à tous les parties. Ah, mais attends, ça va pas fermer la game? Non. Non, ça va pas la fermer. Okay. Bon, bah, go refaire un lobby alors. Bah, je crée. Ah, d'accord. Ah, mais par contre, il va falloir. Ultia est parti faire pipi. Elle va pas tarder à revenir, je pense. Ouais, je pense. Tu mets le code dans blabla et. Ouais, on pré-rejoint, quoi. Hop, on pré-rejoint. Hop. Re, on a mis un nouveau code, on a tous été éliminés parce que. Ouais, les rhinos, c'est horrible. Allez, on relance. Ça va? Oula. Ça va? Oula. Il est tombé. Ah, oula, Ultia. Non, mais je suis allé fermer la fenêtre, excusez-moi. Ah, okay, putain. Ah, d'accord. T'avais chuté. La chute. J'ai cru qu'on était sur une vraie chute, là, pour le coup. Je suis allé juste fermer ma fenêtre, mais je me suis démute, j'aurais pas dû. Et moment, viens en vocal si tu veux venir en vocal. De toute façon, on joue, on fait des parties, on est ouais, chill. Grave. Donc, ramène-toi. Je sais pas si Luti, tu veux jouer, ramène-toi aussi, parce que tu parles dans le chat, mais. Genre, viens, non, parce que non, tu parles de mon nouveau jeu, mais viens dans la game, tu vas voir. Viens, ouais. Il va nous parler d'eau bouillante, là. J'ai la ref. On peut donner le code. J'ai pas la ref, c'est quoi la ref? Luti a découvert que les frites s'appelaient des frites parce que finalement c'était des patates qui étaient frites. Et, ouais. Et du coup il dit mais c'est fou parce que c'est comme si on appelait les pâtes l'eau bouillante. Voilà. Ok. Ouais. Tu peux être choqué, tu peux ressentir des choses. Je pense qu'en fait de base on devait appeler ça en italien on dit patatine fritte. Du coup genre je me demande si c'est pas parce que de base on appelait ça genre patate frite et qu'en fait avec l'usure avec l'usage pardon Finalement, c'est les pommes de terre qui sont frites. Je sais pas, tu vois. Ouais, mais non, parce que je peux quitter la game. Ah, ok. Oui, tu peux quitter, on a mis un nouveau code et on a rejoint. Ah, d'accord, pardon, j'étais en train de faire pipi, j'avais pas l'info. Du coup, manger de l'eau bouillante, en vrai, ça doit pas être dingue, je pense. Et après, en parlant de manger, ouais, je vais croquer dans cette part de pizza. Mais okay. Justement, j'ai envoyé un message sur la compte pour savoir s'il y a un catering pour ce soir, le JDR, parce que je suis morte de faim. Ah, ouais, dommage pour les burgers, hein. Non, ouais, arrête! Là. Ah oui, tu vas faire des blagues. Tiens, t'es rejoint, on peut partager oui, le code. Oui, oui. Go, on partage le code. Ah! J'ai pas donné le bon. Mince. Ah, c'est bon, ma manette. J'ai foutu pas c'est le mauvais. T'as donné Wingo? Hein? Je sais pas si c'est bon, c'est bon que t'as donné. J'ai donné mon code de carte bleue, mais c'est pas grave. Ah, ok, non, ça n'a rien à voir. Mais je veux bien mais du non, coup que tu m'envoies un DM si tu veux. Mais rien à voir. Je peux vous donner le code aussi d'ailleurs. De carte bleue? Pourquoi vous voulez le code de carte bleue? Vachement généreux, Wingobert. Ouais, c'est vrai. Ouah, ça s'est rempli si vite. Mais t'as réussi, Luti? Non, je suis pas dedans, c'est pas grave, tranquille. Ah merde! T'inquiète, je suis en train de bosser à côté et tout, je vous écoutais. T'es en train de bosser, genre, tu chantes. Dire à Mélodie. Mélodie, viens jouer! Parce que Mélodie, elle vous avait demandé et du coup, elle ose pas, elle a dit, mais niais, viens jouer! Oh non, mais. Mais ouais, l'eau bouillante. L'eau bouillante. Ouais, l'eau bouillante, mais c'est bon, j'ai la ref. Non, par contre, un clip vaut 1000 mots. Le clip est vraiment drôle. Le clip devait être drôle, mais j'étais vraiment vénère d'avoir appris ça si tard. J'ai vraiment l'impression d'être con. Énervé face à cette société de merde. Il aura fallu que j'aie une friteuse pour comprendre que frites venaient de la manière dont c'était cuit et pas que c'était des frites en fait. Enfin, genre, ça me termine quoi. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Oh non. J'ai regardé une rediff où vous parlez de la sortie du jeu sur Switch soon. C'est sûr ou pas? Oui, c'est sûr, ça va arriver. Après quand oui. Ça, c'est la grande question. Alors ça devait être le 9, bon c'est repoussé donc potentiellement le 15. Ah mais putain mais en fait il faut avancer, je pensais que c'était le niveau où il fallait survivre. Elle est sur le premier checkpoint depuis le début. Oh putain. Non. C'est incroyable. C'est pas vrai. Je me rattraper encore. Sur les patterns là, il y a personne avec moi. Mais oui, j'étais en mode bah attends, c'est facile quand même. Hop là. Bah les frites au four, c'est plus des frites, c'est des four. Des patates au four. C'est des fours. D'accord. Plus aucun effort, genre. Et des choses. C'est des thermostats 8, du coup. C'est des thermostats 8. Il est content en plus, il rigole comme ça. Putain, mais lâche mon cul. C'est bon. Est-ce qu'on aura le droit à une assiette de thermostat 8 ce soir? Ah non, moi je l'ai fait avec la friteuse maintenant. Ah, ce seront des frites. Ah okay, oui, c'est donc, ça veut dire des frites au four. C'est ça? Ah, mais c'est maintenant que tu devrais les appeler. Des fourtes. Des fourtes. Oh putain. Des fourtes. Après le fait foot, le. Oh non. Ça se joue à un seul placement de R. Vraiment, c'est close. C'est très. On y revient toujours.
Et t'as déjà vous capté les bonnes fourques là. Les fourques saignantes. Merci. Starlight, merci beaucoup. Ah, c'est des trucs petits qu'on met au four. Mais t'avais capté ou pas en vrai premier degré? Bah du coup enfin oui. Mais non, non, oui. Oui, maintenant oui, maintenant. Maintenant oui, mais j'avais pensé tu vois. Au cas où, sachez que le clip des frites se trouve dans Blabla Streamer, voilà. Ah putain, mais pour moi, le partager regarder à toute merci, la Gégé France. Je m'en rappelle même plus. Je bois de l'eau, il y a une goutte qui sort et qui va sur mes lunettes, c'est quoi cette merde? Ok. Mais ma vie est très très con. Ça. Oui. Merci beaucoup Long Chanteur pour le Prime. Ok Dems. Bienvenue à la team d'Eratus. J'ai écrit une chanson. Eh mais d'ailleurs, c'est trop bien hier soir là pour la soirée du retour de RPZ. Je suis trop contente que vous m'ayez parlé du clip de Lorenza. J'aurais jamais pensé à le placer. Et du coup, ça a fait un petit teasing et tout. Je suis refaite. Merci. Quoi, j'y pense maintenant. On a balancé ton son aussi. Moi aussi, je l'ai mis en intro instant. Oui, moi aussi, j'ai mis en intro les oui, trois. Oui, mais là, vous avez parlé du clip genre IRL, tu vois. Ça, c'est différent que de remettre ma musique. C'est vrai. Donc merci. Et d'ailleurs, sachez que j'ai tapé Music Club No Copyright hier hein, pour la musique sur laquelle on dansait. Ah oui, ça me douce. Bah, ça s'entendait, hein, mec. J'avais l'impression que c'était une fin de live de Zerator en 2016, mec. C'était vraiment. Pourtant, la chanson de Joke, je peux la retrouver, elle date d'il y a genre 8 jours, elle a été postée. Ah, donc c'est pas celle-là, du coup. Ah non, je pense que c'est pas celle-là, mec. Ok. Je suis en train de clutch de fond. Et là, le raccourci que je connais pas. Je sais pas ce que je fais. Tu prends le premier ventilo et après le deuxième, t'as même pas besoin d'aller sur le truc. Après, tu dive. Ouais, là, tu peux dive. T'as pas besoin d'aller sur le truc. Ok, c'est pas grave, t'as assuré. J'ai assuré, propre. Bravo. J'ai trop géré ce niveau. Merci beaucoup, Robin et Mitigeur, pour le sub. Merci. Bienvenue à Team Deratus. C'est comme le vent des globes. J'ai toujours cru que. En fait, est-ce que c'est un jeu de mots? Est-ce que c'est en rapport avec le fait que ça part de la Vendée? Est-ce que c'est parce que ça fait un jeu de mots avec le vent plus loin des, plus loin globes? Ou alors, est-ce qu'ils vendent des globes, littéralement? C'est ça. Est-ce que c'est un vendeur de globes de neige? Attends. C'est... Ah, en fait, le vent des globes, je crois que c'est en rapport avec la Vendée, c'est V-E-N-D-E, plus loin globe, tu vois. Mais quand je crois. J'étais persuadé que c'était le vent plus loin des, plus loin globe, tu vois. C'est ça. Je crois que c'est les deux, en fait. En fait, non, en gros, ça s'appelle le vent des globes dans le sens le vent, je crois. Ouais. Mais oui, c'est une ref à la Vendée. Je crois que ça part d'abord de la Vendée. C'est une ref à la Vendée. Après, de toute façon, ils ont dû penser en même temps, tu vois. C'est comme une femme enceinte. Est-ce qu'elle chante? Est-ce qu'elle fait de la musique? Ah non, c'est l'inverse. Attends, de quoi tu parles? Ah ouais? Bah, c'est les enceintes qui font des femmes enceintes? Non, on parle de la Vendée du coup. La Vendée Globe, ça vient de Vendée parce que ça partait de Vendée et que ça revenait en Vendée. Et je du coup, comprends ça a rien. Fait un jeu de mots. Du coup, il y a plein de gens. J'ai toujours écrit le vent. Enfin, le vent. Bah, tu vois, je suis pas con. On va t'éliminer à cause de ça du coup. Mais tu vois, je suis pas con. T'inquiète, je serai pas éliminé, tu vas voir. Tu vas voir. Je vous jure. Non, mais ça, de toute façon, c'est l'effet Mandela. C'est encore là. Ça, c'est sûrement la faute de Mandela, je pense. Bon, attention avec l'effet Mandela, parce que la dernière fois, j'ai juste dit ça pour une vanne dans les Amis Bro, de la même manière dont tu l'avais dit. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit « Est-ce que quelqu'un peut dire à Ultia qu'en fait, l'effet Mandela, ce n'est absolument pas quelque chose de scientifique, et si elle peut éviter de faire la propagande de trucs qui ne sont absolument pas officiels et scientifiques ?» Merci beaucoup. Ah d'accord, faut juste parler de choses officielles et scientifiques dans la vie. Bah du coup, on parle plus du Big Bang. Parce que c'est plus très rien, dangereux. Après, Allez lire les commentaires replay de le stream, c'est vraiment l'équivalent de se fouetter avec des trucs. Enfin, tu vois, genre, c'est dans ce pas oui, clairement. Alors que la blague, c'était juste que. Avec un mangono. La blague, c'était juste qu'il y a un effet Mandela autour du fait que il y a des gens qui croient. Tu peux utiliser effet Mandela en fait. Enfin, je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Hein. Et ça fait l'effet d'une bombe après. Ça fait l'effet Mandela. Merci. Mais j'ai été disqualifié. Bah ouais, mais l'effet Mandela. Le vent des globes n'a rien à voir avec l'effet Mandela, mais enfin voilà, c'est un fun fact. Oh non, je suis dégoûtée. Un fun fact random. J'arrivais pas à passer. Ah, dire que les frites elles bouent dans l'eau, dans l'huile. Dans l'eau. Elles bouent dans l'eau, mais non. Elles bouent dans l'eau. Vous êtes tous passés? Mais est-ce qu'elles boudent? Est-ce qu'elles font la gueule genre? Est-ce qu'elles font la gueule dans l'eau ou est-ce qu'elles... Ok. Moi je suis pas passé, Ah, c'était dur, le lobby est stack. Hein. Oh le just pudding. Je suis allé checker Vendée Globe avant donc. Du coup, pardon, c'était quoi le Vendée Globe le Mandela, pardon. Mandela, oui. Je disais que dans la liste des trucs sur l'effet Mandela, il y avait quelqu'un qui disait qu'il y a un effet Mandela autour du fait que Mario dit
Mexico. Mais en fait, il dit pas du tout Mexico. Mais qui croit que Mario dit Mexico? Mais j'ai jamais entendu ça. Non, il dit let's go. Here we go. Let's go. Ah, moi j'ai compris. Here we go. Let's go. Here we go. Bon, là on est. Here we go. L-U-I-G-I. Non, c'est Luigi. Here we go. Oui, c'est vrai. Waouh. Wingo, tu cheats. Je crois qu'il alterne avec Let's Go, hein, je sais pas. Mais dans tous les cas, il ne dit pas Mexico, ça c'est sûr. Et donc du coup, je rigolais de ça. Je disais, mais vous savez qu'il y a des gens qui croient qu'en fait Mario. Et du dit coup, Mexico. Pour une blague aussi nulle, t'es obligé de parler de l'effet Mandela alors que tu sais pas de quoi ça. Voilà, c'est ça. L'effet d'une bombe. Okay. Et c'est genre vraiment 4 secondes littéralement d'émission. Et il y a vraiment un méga pavé autour du fait que c'est giga dangereux, que je parle de quelque chose qui est en fait créé par quelqu'un pour un effet marketing. Mais c'est très très dangereux. Enfin, genre. Le lobby Mandela m'a appelé, moi, d'ailleurs. Apparemment, ça aurait... Bon, je savais pas, mais apparemment, l'effet Mandela n'existe pas vraiment. Et ça aurait été créé par quelqu'un qui veut se faire du bise autour de cet effet. Mais je me suis absolument pas renseignée, c'est juste le commentaire. Mais genre, par exemple, tu fais du merch effet Mandela? Non, il y a des NFT. C'est les pubs qui passent sur les sites de définition de l'effet Mandela, je pense. C'est sûr. Non, mais en vrai, mais mec, tu fais le merch effet Mandela. T'es trop bien, mec. Oh, la casquette effet Mandela. Let's go. En vrai, c'est peut-être un bouquin. En vrai, possible bouquin. Il y a des NFT. Il y a des NFT, ouais. Bon, attends, moi, ça allait très loin. Hein. Juste à côté de chez moi, c'est une école primaire Mandela. Enfin, je te jure, vraiment, l'effet est partout. Hein. Ah, ouais, non, ça va loin, Mandela. Ça va loin. Il y en a dans les. C'est un vrai. Enfin, voilà. Hein. C'est un énorme business model. On se rend pas compte de la machine qui tourne derrière. Zéro rêve, je sais pas du tout de quoi on parle. Catastrophe. Époustouflant. C'est quoi l'effet Mandela? En gros, bon, je vais mal expliquer. Attends, tu spécules beaucoup déjà là. Attends, prenez pas cette mec. C'est un truc qui existe pas. Quelque chose de non scientifique. Non mais bon, j'explique l'effet Mandela quand même vite fait. En gros, on va dire que c'est un peu des croyances communes. Par exemple, le mec du Monopoly a un binocle. Un monocle, pardon. Ou genre, le mec des Pringles, c'est un monocle. Ou genre, la... qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi d'autre? Oui, il y avait quoi? Il y avait Dark Vador. Il n'a jamais dit « Luke, je suis ton père ». C'est ça, il n'a jamais dit « Luke, je suis ton père ». Ah, ça, c'est vrai. Par exemple. On a l'impression qu'il a dit « Luke, je suis ton père » depuis tout le temps. Ou Sherlock qui dit « élémentaire, mon cher Watson ». C'est ça, il a attends, il l'a jamais dit? Bah, je crois qu'il dit juste « élémentaire ». Ouais, voilà. Et il appelle parfois « mon cher Watson ». Mais il a jamais dit élémentaire, mon cher Watson. Et Luke, je suis ton père, c'est juste je suis ton père. Il dit pas Luke avant, en fait, c'est ça. Ou alors la queue de Pikachu a un bout noir, alors qu'en fait, pas du tout. Oui. La queue de Pikachu a pas du tout un bout noir. Après, je l'explique pas très bien, mais dans l'idée, c'est ça, tu vois. Et ben, elle est jaune. Et à la base, il y a un peu de marron. Il y a pas un petit peu de marron, oui. C'est un souvenir collectif qui est resté comme un souvenir et qui, du coup, est déformé parce que tout le monde l'a utilisé de cette manière-là sans s'en rendre compte. Mais voilà, c'est ça. Ah oui, mais on est d'accord qu'en fait, on l'a tellement souvent devant les yeux que, du coup, c'est pas juste nous qui nous auto-persuadons, c'est quand même. Non, c'est tout le monde dans la culture autour de nous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai tellement pas hâte de voir les commentaires du replay de Ponce là. Non mais déjà qu'il y a un tweet cette qui a été posté. Cette vidéo n'ira jamais sur YouTube, moi je vous le dis. Hein. Si c'est pour me prendre autant de haine, c'est mort. Hein. Par contre, le level du lobby, on en parle ou ah, ça joue. Hein. Bah ouais, j'ai fait une toute petite erreur et je suis pas. Ah ouais non, c'était perdu. Ouais, le level du lobby est assez dingue. Ouais. Super cool. Alors on a une finale de FFS là. Ouais, je vais vous montrer pour Pikachu. Hop. Ah mais c'est même pas la finale en plus. Oh là là. Trop mignonne les petites otaries là. J'ai obligé de tryhard. Voilà la croyance commune pour Pikachu. Vous avez une Pikachu Mandela sur Google et... Après, ce qui est incroyable aussi, c'est les... d'aller voir. T'en parlais avec le Mexico, là, et machin. C'est le nombre de... À quel point notre cerveau peut influencer sur notre ressenti. Exactement comme la veste que Ponce a testée. Bon, qui est une veste sensorielle qu'il a testée par-dessus une doudoune. Donc forcément, ça a moins bien marché Milou pour lui que pour Bagheera. Mais c'est quoi cette histoire de veste, là? Ouais. En gros, il avait une... Ouais, j'explique vite fait parce que du coup, j'ai vécu. En gros, c'est genre une. D'accord, parce que je l'ai vécu, toi ta gueule. Sa merde, en fait. Ok, ta gueule. Juste en fait mon histoire, quoi. Donc, en gros, c'est de la VR. Mais c'est mon livre, ok. Les gars, c'est mon aventure, je suis en train de vous la raconter, vous m'écoutez? Donc, en gros, c'est un casque VR. Le streamer, c'est moi! Il a aucune patience. Un casque VR, mais en plus de ça, ils ont rajouté un manteau avec des retours, enfin des trucs haptiques qui font que tu vois, genre quand la pluie tombe, bah, tu sens un peu la pluie tomber sur tes épaules. Ça, si tu baisses, tu vas la sentir sur ton dos. Je peux passer, vas-y. Tu vois, genre si ah si ouais. on te.
Ouais, c'est ça. Si tu vois quelqu'un te tirer dessus, tu vas ressentir un peu l'impact de balle, tu vois. Oh, chaque Wall-E sur Trackmania, let's go. Et du coup, on sentait bien que, en fait, tu ressens le truc, mais c'est surtout qu'en voyant l'image, plus qu'il te fait ressentir, ton cerveau analyse et du coup te fait sentir ce que t'as l'habitude de sentir, entre guillemets, avec la pluie notamment. Exactement. Et la pluie, ça marchait pas trop mal, mais c'est plus. Tu vois, l'explosion ouais. et la chaleur, ça c'était vraiment mental, j'avais l'impression. Par contre, on a quitté alors que Moment était en finale. Ah, il y a eu Moment encore. Ouais. Ah, moi j'ai pas quitté. Le top 6. Merde. Mais. Je peux vous faire un spec oral. Ouais. Ça fait plaisir pour Moïse. Bah, il est pas en vogue. Ouais. Ok, je vous fais un partage. Je vous mets un partage. Merci Wingo. Ok. Tout à. Donc, ça, c'est l'avenir de la VR en fait, ce genre de vêtements quoi. Je sais pas. Parce que moi, je connais pas trop la. Enfin, je m'y connais pas trop. Vas-y, Moment. Allez, Moment. Bah, en vrai, c'est exactement le prototype de qu'il y a dans notamment le film qui s'appelle Ready Player One. Où justement, des patrons, chacun avec des vestes qui coûtent un peu plus cher et qui permettent de ressentir un peu le truc. Comme ça, quand il se fait caresser le pectoral, il sent qu'on lui caresse le pectoral. Et du coup, ces idiots, ils avaient fait des coques jusqu'au niveau de la tub. Et du coup, je crois que justement, dans le film, à un moment, le grand méchant se prend un coup dans les couilles. Il s'est allumé un coup dans les couilles aussi hier. Ah oui, je croyais que ça allait pas être cet effet-là, du coup, pour quoi ça descendait. Moment juste, okay. Aïe, Moment est dans la merde. Bah, c'est bon. Ah, dommage. Okay. En vrai, dommage, ça joue vraiment à rien pour le coup. C'est un bâtard, ça se voit tellement. C'est insupportable, il est 6ème sur 6, je suis fatigué. Il est trop chiant. Mais Moment, viens vocal si tu veux. Viens vocal, Moment, comme ça t'es dans les rooms direct et tout. Non, je sais pas. Vous, est-ce que vous avez quitté complètement la room ou pas? Moi, je suis dedans. Et moi, j'ai quitté. Moi, je suis dedans aussi. Je suis dedans. Après, il y a plein de places. Venez, il y a plein de places. Avec Moment, il y a plein de places. Go. Au moment où tu le dis, il y a plus de place, c'est toujours pareil. Go. Non, là, 26 sur 60. Non, go, en vrai. Je suis dedans. Let's go. Je suis là. Je suis là aussi, je crois. Ouais, c'est bon. Tu lui envoies le Discord? Ouais, je lui envoie le lien, moi, genre. Vous voulez mettre des modes de jeu pour un max de fun ou on peut mettre des modes de jeu en custom? Qu'est-ce que t'appelles fun? C'est quoi des modes de jeu? Extrême, c'est trop bien. Non, pas forcément le extrême, mais. Mais en vrai, il y a des trucs un peu rigolos. Non, dis-moi, je le mets, mec, je te fais confiance. Concours d'élite, par exemple. C'est sympa, c'est un peu dur, mais c'est rigolo. Course d'obstacles? Bah, si c'est dur, alors que. Ouais. Non, il faut des trucs un peu plus. Il y avait quoi? Ouais, redis les modes, parce que je sais pas ce qu'il y a de dispo. Best of en fait. Des fans, corbeille de fruits. Et que ça saute. Ah, et que ça saute, c'est que des trucs qui sautent. Ouais, c'est que des trucs qui sautent. Fiesta Fall Guys, Bienvenue dans la jungle. En vrai, moi, Bienvenue dans la jungle, mais après, il y a pas mal de jeux aléatoires avec les. Non, mais il y a les rhinos surtout, rhinos. Mec. Ouais, il y a les rhinos. Donc, pas des rhinos. Tournée générale, sport spectateur, je sais pas ce que c'est. Sport spectateur, je crois que c'est que du foot. 30 vs 30, puis après, ça arrive. Non, il y a le tournoi de Fall Ball. 4 manches de Fall Ball et une finale aléatoire. Mais que du foot. Ouais, c'est. Bon. Ouais, c'est pas nécessaire. Il y a un gars dans le chat. Il faut bien train Mario Foot, non? Bref. Il a dit d'ailleurs l'effet Mandela vient du fait que bah, beaucoup de gens pensaient que Mandela était comme mort. Tu veux. En fait oui. C'est lui le premier effet Mandela. Non, mort en prison. En prison ouais. C'est ça. Mais Elite Wingo, mais Elite. Merde. Elite, t'es dans le game, Moment, c'est bon. Le foot. Ouais, je lui ai donné le Discord. Non, il va peut-être être en salle d'attente. Non, il est dans le chat depuis tout à l'heure, il parle pas. Ah oui. Ah, mais il vient jouer, il vient pas parler. Il vient pas parler, bien joué. Il est venu jouer. Oui, il tryhard. Il a raison. Ah, t'as mis course d'obstacles, donc on va faire que des courses. En vrai, c'est pas mal. Tu penses que en train de dire, c'est comme, ça permet c'est comme de s'entraîner MJ, en vrai. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ok. Mais pareil. Du coup, au moi, lieu la dernière ma last. Fois. Ah, already. Okay. Et le smash là? Et le smash là? Oh, le smash! Ah ouais, oh, j'avoue! Bah, y a ça ce parce soir que déjà, t'es invité en soirée, ça dégoûte quoi. Désolé, j'ai des obligations. Non, mais on joue ce soir à Smash en vrai. Bon, on joue ce soir, on joue nous, pas sûr hein, Ultia. Ah oui, ouais. Vous allez vous. Ouais, ça dépend. Ultia, je suis arrivé plus tard, j'ai pas beaucoup joué. C'est vrai. Merci Roms Bellet pour le Prime. C'est réel, c'est ton mot du moment. Bah, mec, il y a tellement de choses réelles. C'est vrai. Et du coup, je voulais revenir sur les trucs Mandela. Juste, bah, c'est pareil avec des musiques et notamment avec le truc de Mario. Vous savez, ce fameux truc où bah, t'entends un son, tu mets un texte et en fait, ton cerveau lit le texte en même temps qu'il entend le son et du coup, il entend que ça. Et puis juste après, tu mets un autre texte et t'entends un truc complètement différent. Ça, c'est pas un effet Mandela. Non, ça, c'est plus un. Bah, c'est de l'hallucination. C'est plus ton cerveau qui prend le. Bah, c'est en rapport avec la veste, justement. C'est auditif, c'est ça. Ouais, c'est en rapport ce avec la veste. Ce soir, j'ai les pieds qui. Laurel. Par exemple. Oui, c'est vrai. Vous connaissez pas? Ce soir, non. J'ai les pieds qui puent. C'est un son. Non, c'est quoi? De quoi tu parles? C'est un son très connu, en fait, le tout premier. Je sais plus de quel son c'est. Ou alors. Ce soir, alors, par exemple, tu peux dire. C'est ça.
Grand Control de Metatron, tu vois, par exemple. Grand contrôle de Mété. Mais putain, il m'est arrivé la même chose à Zilan. Je suis au fond. Exactement, le même. Ah, mais genre, exactement la même chose. Non, là, je me suis fait pousser. T'as pour fait le coup. La même chose. Tu sais que t'as fait la même OFFS aussi. Hein. Mais tu sais que je me suis fait pousser là. Vraiment, je n'y peux rien. Il m'a poussé oh en non. l'air. Non. Tu es dégoûté. C'est... Oui, c'est ça, c'est une musique de Scorpion. Ouais. Ce soir, j'ai les pieds qui suent. Still Loving You de Scorpion. Still Loving You. Mais du coup, c'est marrant de te dire que tu écoutes la même chose et il met trois phrases différentes et tu entends les trois phrases différentes parce qu'en lisant en même temps, ton cerveau il analyse et du coup il fait que. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des passages notre cerveau de chansons. Est con en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire. Non, au contraire, ça, il y a des pièges. Il y a un autre truc très sympa avec ça, je sais pas si c'est un rapport, mais en fait, si vous prenez une musique qui a des paroles et que vous la transformez en MIDI, on a que les notes MIDI, mais en fait, en écoutant les notes MIDI, on entend les paroles. Alors qu'en soi, il y a personne qui parle, mais on entend tout les paroles. Tout à fait. Ouais. Ça. Ouais. Ça, c'est assez fou. Tout à fait. Oui, bonjour. C'est quoi le nom ? Quelle beauté. Alors n'oubliez pas sur celui-là, si vous êtes encore en vie, il y a une strat où il faut pas jouer le deuxième palier, c'est ça, il faut utiliser la low gravity pour sauter directement sur le troisième truc. C'est pas ça, ONU ? Allô, oui. Ok. Je te rappelle, faut courir, faut. Je sais pas, ONU s'en bat les couilles, il garde le son, faut juste courir. Non, moi je suis égoïste de fou, moi. ONU s'en bat les couilles. Moi je suis pas très égoïste. Allez, faut courir sur le côté, faut éviter la partie centrale. Pardon. C'est vrai ça, 2 sur 2 du coup. C'est trop bien. Ah, mais oui, d'accord, ils courent juste. En fait, on fait que courir, on descend jusqu'au 5 et on fait 3 fois le 5. Et ça fait 3 fois la course. Ouais, c'est ça de prendre le premier en plus. Sauf si on a un argenté, je dirais, mais en vrai. Tu vois, hop, une fois 5, 2 fois 5 et puis 3 fois 5. Vous imaginez en fait, 2 gagnants FFS dans un même vocal, c'est dingue. Ouais, c'est chaud. Et Twitch Rivals, mais ça, c'est un peu de la triche, l'équipe était un peu broken. Un peu, broken. Un peu, c'est un euphémisme. Over broken. En plus de ça, on a aussi un gagnant Zilan, on a... Mais elle a été overbroken, elle a été overbroken juste parce qu'ils n'ont pas été capables de créer un Discord avec les gens qui cherchaient une équipe, en fait. Hein. Oui, c'est ça qui s'est passé. Parce qu'en fait, on était pour le Twitch Rivals, on était énormément à être seuls et à chercher une équipe. Oui, sauf que, en gros, le staff du Twitch Rivals disait « Ah, vous avez qu'à DM les gens que vous connaissez ?» Sauf que, ok. J'ai DM des gens, mais ils avaient déjà leur équipe. Et du coup, on DM des gens, sauf qu'ils ont déjà une équipe, et nanana, et truc, et c'est chiant. Et au final, tout ça pour que je DM au Nutrem et qu'ils me disent, en fait, ça fait 3 jours que je cherche une équipe, j'en peux plus. Là, je viens de créer ma team complètement broken, et trop tard. Après, merci au Nutrem, parce que moi j'étais au cast et tu nous as quand même offert un mec qui gagnait à une main en buvant l'eau et en faisant jongler le PlayStation 3 sur ton droit. C'était incroyable. Putain. Il jouait vraiment avec une main, c'était un truc. De toute façon, en fait, le résultat changeait rien. De toute façon, c'est pour des assos, donc au final, le montant va quoi qu'il arrive. Tu t'en fous, ouais, tu t'en fous. Non, mais c'est pas ça, ouais, tu t'en fous de donner de l'argent aux associations. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais je note. Non, mais ok, ok. Allez, les gens, c'est cool qu'on ait l'info, ouais. Mais non, mais à la fin, quoi qu'il arrive, tout le monde gagne pareil, donc c'est pas grave d'avoir une équipe trop forte. Non, honnêtement, il a pas tort au nu, il a pas tort. Non, mais. Merci Wingo. Non mais ok, pas de soucis. Pas de soucis. Ouais, c'est chaud. Y aller moi, je sais ce que. Non mais t'inquiète, l'ambiance est bonne, t'inquiète. Ok, super. Oh, les planètes de merde. T'es pris Saturne toi. Vision streamer quoi, exactement. Purement égo. Bonjour tout le monde. Salut, c'est Kalen. Désolé, avec nos topins, avec nos topins, on a rapporté plus d'argent à l'asso qu'on a choisi. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ouais, mais bon, c'était pas important que tu perdes ou que tu gagnes en vrai, vu que c'était pas pour toi. Puisqu'il y allait avoir un top 1 dans tous les cas. On a gagné. Mais sûr. Ouais, donc en plus, t'as gagné, donc en fait, t'es content et d'avoir gagné et de ne pas avoir. Enfin, ouais, c'est cool quoi. C'est bravo, cool. Et en plus, okay. on aide des assos. Et ça, c'est cool. Ouais. C'est... Non, c'est pas cool, ok, c'est vous que. Waouh, ok. Et pas vraiment signé pour faire ça, mais ouais. Ok. Parce que là, en fait, c'est chaud parce que tout à l'heure, déjà, on avait 2 gagnants FFS, un gagnant Twitch Rival, un gagnant Zilan. Là, on a un 2e gagnant Zilan. Le lobby commence à être un peu bénal. Oh là, oui. Étoile. Gagnant FFS aussi. On attend Étoile. Hein. Gagnant FFS. Ouais, non, ça va être chaud. Ça va commencer à être chaud. On attend Étoile aussi. Allez, champion du monde, champion de France de comment ça s'appelle Farming Simulator. J'étais là, moi. Ouais. Bah, c'est vrai aussi, champion de France de Farming Simulator. Ouais. Ça commence à faire beaucoup, Kalen. Hein. Ça va être chaud de jouer avec toi, mec. Bah, champion du monde de tiercé pour 1 aussi. C'est vrai, champion du monde de tiercé pour 1. Passer ce truc de merde. Comment faut passer? Bon, faut bien te mettre sur le pas trop le milieu, mais pas trop au bord non plus. Ouais, c'est super clair, Rui, merci beaucoup. Désolé, mais en fait, c'est difficile à dire, quoi. Oh non. Oh non, Wingo. Ouais, dommage, je sais pas, c'est ça a pas si voulu. Proche, homme. Oh, le seul. Ça me rappelle un truc, moment. Oh. Dans la finale que t'as totalement fail. Oh. Pourquoi on fait ça? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Je suis plutôt bouillant ici, man. Ok, cool. Ah,
Ok. Let's go. Oh non, la meilleure run. Je sais pas ce que... Je me suis trompé de... Ok. Ok. Oui. D'accord. D'accord. C'est super bien la porte qui grince là. Non. On dirait plutôt un cochon, ouais. Ouais. Oh putain, je fais trop bien, what the fuck. Ah ouais, tu fais trop bien. Attends, mais tu souffles. Mais tu ouais, bah ouais. Oui. T'es juste un cochon en fait. Tu peux nous faire... Je suis mort. Demande-moi si ça va, Ponce. Ça va Je me casse la gueule. Ok, on peut peut-être faire... En vrai, on peut peut-être faire genre... Un truc acapella. On peut peut-être faire une petite ferme, tous ensemble. Qui fait bien la brebis? Je suis dans la merde. Non, je suis assez chaud en brebis, en vrai. Vas-y. Non, c'est peut-être le dindon, mais... Ok, dindon, ok, vas-y. Non, en vrai, c'est sûr. Faut que je le repratique, je pense. Parce que sinon, ça va être trop. Tu fais quoi, toi, en moment? Merde. C'est un pigeon parisien, c'est tout. Ah, je vais pas me qualifier, je suis en train de faire le con, là. C'est un pigeon il a la clope au bec et il râle. C'est Donald Duff, ça, non? C'est moyennement à la ferme, là, quand même. C'est pas à la ferme, là. C'est dans la ferme, en fait. Ah, c'est à la fin, ça, ça n'a rien à voir, oh, mais non, c'est vraiment... Vous savez pas faire la poule? Y'a pas des gens qui savent faire la poule? Mais c'est vraiment incroyable. What the cock. Oh la gueule vocale. Oh la... Qui a fait le coq? Qui a fait le coq? Oh non, je passe pas une place. Oh, je suis triste. Viennaze. Le dernier ou pas? Ah non, il était passé. Mais le coq était trop bien fait. Mais je sais pas comment ça s'est sorti. J'ai fait. J'ai pas réfléchi. Je me suis dit, vas-y, imagine t'as un coq et c'est sorti instant. Imagine t'as un coq. Pas réfléchi, imagine t'as un coq. Mais je te jure. Imagine. On pourrait faire un live basse cour, hein, ceci. Un petit live basse cour. Non. Oh. Putain, je l'ai pas enregistré. J'aurais dû l'enregistrer. D'accord. C'est clean. C'est plutôt clean, ouais. Il y a quelqu'un dans mon chat qui vient de dire où... J'ai du mal à faire genre je travaille alors qu'il y a ça dans mes oreilles, je ne vous cache pas. Entraînez, mec. En fait, le corbac, c'est vrai que c'est le retour du corbac. L'année dernière, c'était le corbac déjà. Imagine, t'es un coq. Attends, mais quoi, la peluche? Quoi? Oh là, mais c'est quoi ça? Quoi? Wow. What? Non, mais c'est un vrai. C'est un sample. Non, c'est forcément, c'est vraiment ma bouche. T'es toute seule, Ultia. Y'a plus que toi. Ah bon, y'a plus que toi en IRL, mec. Y'a plus que toi, mais pas de façon. Vous pouvez me coacher? Ouais, saute quoi. Saute toujours. C'est comme ça que s'appelle le truc, je crois. Saute, juste saute. Saute, tu vois, la barre arrive, tu sautes. Voilà, bien joué. Après, tout le monde se moque, mais qui est en finale avec Ultia? Bah, personne, c'est pour ça. Personne. Voilà, bah tu es. C'est bien ce qu'on va. Saute! Voilà, bien joué. Mais c'est parce que moi j'ai pas imité les animaux de la ferme, ça m'a peut-être aidé. En vrai ça m'a tué. Non, Onu, arrête de trouver. À chaque fois Onu, c'est des excuses. C'est vrai, j'avoue, je suis à chier aux jeux vidéo, vous avez raison. Non, il faut sauter, Ultia. Vous avez raison. Vous avez raison, je suis à chier aux jeux vidéo et Rayou veut pas le comprendre. Non. Toi, ne veut pas le comprendre. Moi, je balance pas, mais pour ça dit let's go. Mais il s'est mute. Oh, il a quitté le lobby. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Pourquoi j'ai quitté, c'est trop con. J'ai le réflexe. Ouais, bah j'ai vu quand même. Tant pis, oh là là, tous les viewers qui. Ah non. Tiens, c'est insupportable ce réflexe de quitter en vrai. Vas-y, c'est la finale là, en vrai, il reste pas longtemps. Pourquoi c'est un réflexe d'ailleurs, je pense? Pourquoi vous quittez? Bah, parce que quand vous êtes éliminé d'une game de Fall Guys, on quitte. Ouais, mais comment ça se fait? Normalement, tu. Enfin, t'es pas censé arriver. Personne fait ça, hein. Pas censé perdre. Personne fait ça, jusqu'au bout, hein. C'est le concept en fait, c'est une émission, hein. Tu niques tout le projet. Hein. Ouais, c'est dommage quoi. Je disais que j'ai pas gardé mes records de corbeau de l'autre jour. Là. Moi je sais pas imiter les animaux, je suis nul. Mais si tu sais. On avait un sacré corbeau des champs quand même. T'as pas un dauphin peut-être? Quand je rigole parfois on dirait un peu une otarie. Voilà. Otarie? Vas-y. Non. En fait c'est stressant. En vrai je comprends. Non mais t'as dit qu'il suffisait de rigoler donc. Non mais juste rigole en vrai. Gigi! Okay.
Il y a une réaction en chaîne. Moi je sais faire le bébé animal. Oh, j'ai pas rejoint. Bonjour, le bébé animal kiné. Bah ouais, ça fait pas, si ça fait pas de bruit en fait. Genre, un bébé chaton, ça fait genre. Normalement, t'as le code. J'ai le même code, Ponce. Ponce, il est pas in. Ponce. Je suis pas là. Ponce. Mais Ponce. Mais j'arrive, il y a des animaux, ils me cassent les couilles. Attends. Le petit Ponce est attendu à l'accueil. Je répète, le petit Ponce est attendu à l'accueil. Ponce de métal. Ponce de métal. Yes. J'y suis. Oh, t'es le dernier. T'as vraiment une chatte exceptionnelle. Fais le cri du boisson. Elle est belle, celle-là. Ah. Oh là là, le. Ah, joli. Y'a des gens, ils se lâchent. C'était quoi ça comme animal? Non, mais. Les animaux. Et un sort d'animal. Ok. Oui, la virevolte tropicale. A chaque fois que je prends Mumper, je fais le corbeau, mec, insupportable. Ça, c'est non. Oh, salut, ma. Hey, t'arrives à faire le truc que t'avais fait la dernière fois, tu sais. Dont on parlait là, Auré. Ça, j'arrive pas. Moi, c'est vraiment que des moments. De quoi ça? En fait, c'est en gros, tu. Ah oh non, ça, j'aime pas. Ça fait. Mais je crois que c'est que. C'est, non, mais ça me figure un peu. Y a pas tout le monde qui peut faire ça en vrai, en termes c'est de. C'est un temps agréable. Ça dépend des fois que tu peux le faire et des fois, ça marche pas. Enfin, j'ai pas. Ah, ça marche 100%. Je l'ai travaillé à l'école primaire. C'est pas une blague. Par contre, mais. Ah ouais, tu l'as travaillé à l'école primaire. Ah ouais, vraiment, je l'ai travaillé. J'ai découvert ça, j'ai fait oh la vache. Et voilà. Et c'est-à-dire tu l'as travaillé en école primaire? Bah tu sais, tu te découvres un peu et j'ai découvert que je pouvais faire ce son et donc bah une fois que j'ai commencé, je l'ai travaillé pour le garder, tu vois. Comment tu mais moi j'ai ça en fait. Mais... On dirait qu'il y a Nekfeu qui était en train de parler. J'ai découvert que je pouvais faire ce son donc Par contre moi ce qui m'étonne c'est que en fait ce soit pas normal et que tout le monde puisse pas le faire, c'est plus ça qui m'étonne. Mais non mais c'est que c'est un truc en fait c'est comme si tu belle cloche au début quoi. Oula. C'est normal là où il y a des gens qui peuvent pas faire. Nous on peut plus chanter aigu, toi tu peux pas faire ça. Si elle peut, mais c'est pas. Waouh, alors Pas mal. Ouais, non, c'est propre. En vrai, c'est propre. Vocal. Très, très propre. Du coup, j'arrive pas à monter sur mes nénuphars, mais NPNP. J'arrive pas à monter sur mes nénuphars. Ouais. Bah non. C'est vendredi, hein, c'est bien. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas rouler les R. Moi, je sais pas. C'est pas roté. C'est pas roté, moi. Non, par contre, oui, je sais pas roté non plus. Non, on est pas éliminé. Lutti, je sais pas roté. Eh ben c'est voilà, pas roté, tu sais pas pété. Ça c'est faux. Oh. C'est faux. Attends, j'ai pas réussi à passer. Le lobby est trop dur. Pas roté, non. Moi je sais pas roté. Ouais, moi je rentre sur commande. Sur commande quand vous voulez où vous voulez. Ah non, mais voilà, c'est ça le truc sur commande quoi. Parce que vous êtes l'alphabet, on est capable, mais. Alors je faisais ça quand j'étais en école primaire, je m'amusais à faire l'alphabet. Moi je sais le faire. Tu l'as fait il y a deux semaines, mec, arrête. Ouais, l'école primaire, il était. Ah oui, l'école primaire, enfin je veux dire, ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait. Avec les fameuses choupa choups, il était là devant l'école primaire. Mais tu sais, je crois que c'était stylé, j'allais voir les gens, je fais ouais, je peux faire l'alphabet en rotant, alors c'était juste immonde. Oui, c'est dégueulasse. Non, mais tu veux pas nous roter l'étranger d'Albert Camus, s'il te plaît. Enfin, moi, j'avoue que j'aimerais bien. En vrai, je l'ai pas par cœur. En vrai. Ok, dommage. La préface au moins. Ah. J'ai pas. Ok. J'ai pas. Okay. Mais... Allez. Oh là là. Par chaud, en plus. Ok. Je suis en train de me demander du coup, mais quel est mon talent? Quelle est cette chose que j'arrive à faire, Gob? Moi, je peux toucher mon nez avec ma langue perso aussi. Ne jamais passer les premiers rounds sur Free Guys. Wow. C'est. Wow. Ouais, c'est super. C'est pas la seule, je pense en vrai. Bah, vous êtes 160 quoi, donc t'es toujours la minorité à chaque fois. Hein. À chaque fois, t'es. Tu vois? Ouais, c'est terrible. Hein. Ouais, t'as pas le plus de la situation. Ah, éliminé, c'est vrai. Ah, bah. Oui, on me dit sur mon chat l'hyperlaxicité, mais en vrai, ça c'est commun quand même. C'est quoi l'hyperlaxicité? C'est quand c'est d'être très souple. Ouais, les articulations. Bah c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu vois, en fait parce que je suis hyper laxe que mes articulations se déboîtent assez facilement en fait et qu'il faut que je fasse attention. Et que ce fameux hippon au lycée KO. La pauvre. Jamais là, je suis éliminé là. Moi je te jure. Je pense, tu peux alt F4 en okay. L'hyperlaxe, c'est quand t'es hyper laxiste en général, tu. Ouais, moi j'ai cru que c'était ça. Ouais, c'est quand tu t'en fous de tout en fait. Tu prends pas les choses mal, tu excuses les gens régulièrement, c'est. Non mais les parents hyper laxes, bon. C'est compliqué quoi. Moi mes parents étaient hyper laxes pour le coup. Ton réveil c'est relax de Mika. Putain. Non, vas-y, c'est bon.
Ça, oui, c'est vrai. Ça, tout le monde peut pas le faire, du coup. Oui, il a un très bon niveau. Non, mais là, oui, le lobby, on se fait. Et vous avez pas des tapis, un petit talent caché que tu sais pas faire? Genre, je sais pas, tu peux. Tu peux cacher ton nombril avec... Du coup, j'ai trouvé... je peux toucher avec mon pouce, je peux toucher mon avant-bras, en fait. Bah, l'autre avant-bras. Moi aussi. Moi aussi. Mais non, mais... J'ai mes doigts soignés. Non, mais... Ok, il a fait la même blague. Oui, on se moque. En vrai, moi, j'ai... Je peux le faire avec mon nez, moi, d'ailleurs, mais... Le faire avec ton nez? Je peux toucher mon avant-bras avec mon nez. Ah, quoi. Ok, super. Ah, Mingo, mais... Mingo, c'est le tueur. En fait, ça a un rapport avec ton hyper l'accessibilité. Oui, c'est ça, complètement. Hyper l'accessibilité. Hyper un mot littéralement. Que tu sois giga laxiste, forcément, tu peux toucher ton avant-bras. Et du coup, c'est depuis que t'es maman, Nao, le fait que tu sois hyper laxiste comme ça, ça impacte comment l'éducation que t'as vers ton enfant? Ça te dessert, ça, je pense. Je sais pas encore, je te dirai quand je serai vraiment confrontée à la situation. Pour l'instant, il respecte ce que je dis à peu près, ou alors il comprend pas. Oui, je pense que voilà. C'est surtout ça. Oui, il y a plus de chance qu'on l'a deux. En tout cas, pour. En tout... C'est fab. On comprend pas. Comprend pas, gros. Ok. Excusez-moi, j'arrive. Ça se passe pas bien, hein. Non, ça se passe pas bien. La boule. C'est quoi ce lobby là? Ah, let's go. Ça passe. Mais le lobby est vraiment... Le lobby est horrible. Non mais y a un top player, il a fait genre 15ème. C'est une erreur et c'est mort. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ouais, ma naissance. Là, y a plus personne en lui. Si, reste moment, Wingo et moi-même. Mais oui. Bref. C'est bien d'être transparent, bref. Bref. Bref, il y a un moment. Y a mon moment. Si, y a mon Manu là. Je suis trop deck, moi, c'est lui. Moment, je suis trop deck pour toi, sache-le. Pourquoi? Bah, t'es éliminé, c'est ça? Non, il est pas éliminé. Il est, là. Il est vraiment transparent, le Manu. Ah oui. Allô. 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 Il est parti au moment, il parle plus depuis 3 minutes. Tu l'as acheté sur quoi, Yorozoi, le jeu sur Steam? Tu peux te faire refund, du coup. On m'entend pas. Ça arrive. Allô. Ça arrive même au meilleur moment. Ben, si, Walken, mais faut être invité, quoi. Ah. Ah non, mais je crois que c'est moi qui l'ai mute personnellement, du coup. Ah merde! Personnellement. Personnellement. Ah, c'est depuis ma défaite au FFS, j'ai pas. Pas trop digéré. Je vais. Je pense que c'est passé là. Oui. Pourquoi t'es pas venu avec nous dans le vocal alors que tu savais que t'avais perdu? Pourquoi t'es pas venu? Je savais quand j'avais perdu. Ouais, non, je tag en solo. J'ai pas parce que j'ai pleuré. Juste pour celle-là. Vous le vendredi. Même pas du tout. Ça va alors, je préfère que tu. Non, mais en plus, j'ai pas. Non, mais ça me dérange moins. En vrai, mais je crois que vous aviez déjà. En fait, je vous ai cherché et je crois que je vous ai pas trouvé. Ah bon? What? On est après, j'ai fait... C'est parce que j'ai fait un gros débrief et je crois que vous étiez déjà parti. Ah oui, débrief, oui, mais en fait, fin, vu que t'avais un petit peu de retard à. Je suis une merde! Dernière game, ah oui, en mode, c'est dit... perdu pour perdu, en mode, ouais. Ouais, oui, voilà, oui. Tu nous rejoins sur vos. Oui, c'est vrai que j'aurais pu. Mais mec, on t'en veut pas du tout et tu restes un ami. Tant mieux. Ouais, dans l'ensemble, quand même. Je suis hyper laxiste. Ça va, Wingo? Ça se passe? Non, ça va pas! Je vis. Un enfer. C'est super. Mais ça marche pas en fait. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. J'ai du mal là. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Mon niveau est une honte. Ouais, je sais pas pourquoi il y a pas de news sur la sortie Switch de Fall Guys alors qu'il avait été annoncé pour août dernier. Ça fait 2 ans. Mais ils savent pas. Non, ça va faire 1 an. Mais il est marseillais. Bah alors, si tout se passe bien, c'est arrivé dans 2 semaines. Mais en fait, ils sont très nuls en com. Ils sont très très nuls en com. Ah ouais? Ah, ça me rappelle Blizzard, ça. Enfin, ouais. Ah oui. On va parler d'Overwatch 2 sinon je vais te faire un truc. Excellent en communication. Ils sont excellents. Mais ta technique Overwatch 2. Allez, on y va. Ils sont excellents. Une erreur qui a été faite, ça fait quoi? 5 ans qu'ils bossent? Pas une erreur, pas une. Pas une erreur, pas une erreur. Il y a Overwatch 2 qui est sorti, c'est dommage que c'est pas sorti 3 ans. Mais d'ailleurs, Overwatch 2, mais c'est retourné en bêta. Enfin, c'est en bêta? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Attendez, ça rejoue ou pas? Celle de la finale est jouée, non? Bah oui, si, il y a ONU et Moment là. Oui, je suis là. Moi j'ai lancé en perso, j'avoue, parce que depuis tout à l'heure je joue pas. Oh, ah oui! Ah, mais moi j'aime bien regarder en discutant, ça me va. Oui, mais vous avez joué un petit peu tout à l'heure. C'est pas faux, c'est réel. C'est vrai que moi je suis un peu en mode spec, quoi. Ouais, mais bon, je comprends. C'est à gauche! Juste pour revenir sur. Overwatch 2, en fait, Overwatch 2 qui est sorti, c'est pas Overwatch 2, mais comme il y avait l'Overwatch qui commençait, ils se sont dit qu'ils allaient le mettre en bêta pour que les gens puissent jouer comme les joueurs pro. Sauf que du coup, ils ont appelé ça Overwatch 2 alors que c'est pas du tout Overwatch 2, quoi. Donc du coup, c'est le problème qu'ils méritaient. En fait, c'est quoi cette
cette histoire de... Il n'y a pas de cast FR, genre si tu veux, l'Overwatch League, trop bonne décision. Chaque année, il y a le cast FR, et chaque année, c'est en gros J-4 qu'on est au courant que le cast fait ou pas. Et là, malheureusement, c'était que J-1, donc du coup, ils ont dit « Ah bah, on fera la semaine prochaine hein. !» Oh, la victoire. Oh, le double dive. Let's go. J'ai pas vu, j'étais sur moment. Ah bah ouais, bah t'as... Tu vas sur un invisible. T'as choisi le mauvais poulain. Aïe, aïe, aïe. Mauvais poulain, c'est le dernier gagnant du FFS. Oui, voilà, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Par contre, aujourd'hui, j'ai beaucoup gagné. D'habitude, tu pas en forme. Et voilà, il se la pète. Mais voilà. Non mais c'est la dernière fois il a fait 3 tops, hein. Qu'est-ce qui casse les couilles? La dernière fois j'ai fait 0, la dernière fois j'ai fait 0, et en fait je me termine en question. Pour une fois que je peux me la péter, merde. Oh, il commence à... Pourquoi le lobby s'est fermé, bro? Oh, oui, pardon, en plus, parce que du coup je dois partir, et du coup je vous laisse... Ok. Quand j'arrive, Wingo part, du coup. Mec, je t'aime trop, mon mec. Ok, bah. Eh bien, merci à tous pour ce moment partagé. Malheureusement, il faut que je m'en aille, mais je vous souhaite de passer un excellent moment. À ce soir, Wingo! À ce soir, Wingo! Fais goûter le burger! À ce soir, ouais, des bisous! À ce soir, vous êtes deux ce soir! Au revoir! Au revoir! Il a pas répondu. Oh, il t'a mis un vent luti! Oh, il fait froid ici là! C'est pas grave si c'était chez moi qui venait après, c'est pas grave! C'est pas grave! Je m'en fous en vrai! Tu ouvriras pas la porte, hein, c'est lui, c'est tout. Je vais lui fermer la porte comme il nous a fermé le lobby au nez, c'est ça, ouais. Ah yes. Ça, c'est pas très gratuit. Merci Pink Lady pour le 6ème mois. C'est celui qui dit qu'hier, c'est celui qui dit qu'hier. Vas-y, fais ponce. Vas-y, je fais pas. Je passe mon tour, je suis streamer 4G donc je préfère ça. Et maman 4G. Moi, si vous voulez, je peux le faire. Après, t'es hyper laxiste aussi donc. Non, c'est fait. Je vous l'envoie dans le chat. Voilà. Le blab. Qu'est-ce qu'il est professionnel vraiment, je pense. C'est bien le G, c'est. Oui, j'ai CD. Attends, parce que quelqu'un va pas faire la blague. J'ai CD J. Oh. J'ai CD J. Y. Go. Et lui. Et lui. Alors. Ah. C'est quoi? GCDJY. C'est. Non, t'es pas dedans? Non. Si, t'es dedans, mon. Oh, le prankeur. Il est fort. Non, je suis pas dedans. Il est trop chiant. Il reste de la place, de toute façon. Mais attends, mais je comprends pas où trouver le mot de passe. Tu le mets où dans le channel? Merde, il a vraiment pas. Blabla streamer. Mais on te l'a dicté comme tout le monde. Mais on vient de te le dire à l'oral. J'ai du mal, mais moi j'ai. Dis-moi que t'es pas dedans. 40 ans. Je suis pas dedans. Si, il est dedans. Si. En haut, t'as un. Non, il est dans le channel, mais il est pas dans la game. Il y a plus de place. Il y a plus de place. Lobby est plein. Est-ce que quelqu'un peut laisser sa place à un moment, s'il vous plaît? S'il vous plaît, merci. Merci d'avance. Une personne qui veut faire face à la réalité des choses et aller faire sa vaisselle enfin. Merci. Ah. Une personne qui veut faire face à la réalité, mais quoi? Il faut qu'il retourne dans sa vie, sa réalité de réalité. C'est vrai que c'est une bonne idée de faire. Il y a une personne qui vient de trembler là, genre. Oh merde, ma vie, non. Bah, ciao de Twitch, c'était cool. On va se faire bannir, je crois. C'est bon, non? T'es dedans, là? Ouais, c'est bon. Merci à la place, qui a été donnée. Je sais pas qui tu es, jeune inconnu, mais je t'embrasse. Non, mais toi, les flex, c'est trop, quoi. C'est bon. À la une, à la deux. À la bah, toi, l'inconnu, je te fais l'amour. Voilà. Oula, oulala. Ouh. Allez. Allez. Et moi, j'ai laissé ma place. Attends, viens ici, bébé. Qu'est-ce qu'il raconte, Rayou? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mec, tu dois voir mon éveil sur Smash. Non, mais en fait, oui, il est venu ce matin me voir à 7h aussi sur le live pour me dire ça. Ouais. Il me dit, je suis réveillé, je te... Attends, quoi? Je te jure, je suis le meilleur joueur du monde, je l'ai appris hier. Ah, d'accord. Il m'a dit ce matin que ce soir, je lui prends pas une game. Mais il était en tournoi hier, je crois, ah, oui, il vient ce soir, mais tard, c'est ça? Je crois. Je crois qu'il vient, mais tard. Il m'a dit qu'il arrive à 22h30, 23h. Une seule? Ah ouais, mais attends, sur Pac-Man ou sur Steve? Bah, une seule, mais mec, par contre, si tu veux les burgers, faut pas que tu viennes. Oh, il me soulève! Pac-Man! Ok, avec Pac-Man. Pac-Man, il soulève beaucoup de monde quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Les fantômes, les cerises. Ok. Les clés. J'aimerais bien le soulever dans la vraie vie. Allez. Mais t'inquiète. Tu sais qu'on a tous un peu un éveil en nous. Ouais.
Non, je joue pas à Smash. Bah, tous les matins, enfin tous les soirs. Bah, tu fais bien. Là, j'ai l'impression que je passe à côté d'un truc là. Oh. Ah, faut aller voir. Oh là là. C'est Lutti devant là. Regarde ça. Oh, ah, Lutti. Grab bleu. Non, il me grappe pas, t'es ouf ou quoi? Non, j'ai pris un ballon. Allez hop, un autre ballon. Allez hop. Je vais l'attraper, je l'attrape. Tu m'attrapes pas, Oh, je suis 1, what the fuck. Attends, c'est pas fini, mec, c'est pas fini. Plus gros rageux qui veut juste gagner. Ah, une stock. Attends, il a vraiment dit pas une stock, Rayou, parce que là. Pas une stock. Qui ça, pas une stock? Moi? Attends. Moi, pas une stock? Non, c'est impossible ça. Rayou, on parle quand même de Onitrem là. De la billette, on parle quand même de la billette. Mais tu sais que j'ai travaillé mes confirmes énormément et j'ai joué avec Anto et tout, je me suis fait coacher. J'ai step up, no joke. Ouais, mais en une semaine. Si Rayou a step up aussi et il a. Ah ouais, mais bon, je lui prenais quand même des. Une stock, quoi. Il retire la stock, c'est pas lui qui a dit ça. C'est pas lui qui a dit ça. Pas une game, oui, une stock, oui, mais pas une game, ok. La game, ok. Je pense que c'est mais qu'est-ce que tu fais Rayou si genre il te prend une game? Ah il s'en fout. Après, il va dire bien joué. Il sera dans le déni, il dira regarde le palmier là-bas. Et... 20 subs, oh, ah 20 subs il a dit, ouais, quand même. Oh. Quand même. Là il a confiance. C'est bah, dur. Paye les courses, plutôt que chez moi, plutôt que d'offrir un sub à un inconnu. En combien de game? En combien de game? Quand même, on s'en fout ça, c'est dans la soirée quoi. Dans un BO5. Ah BO5, ah bah attends, c'est pas pareil. C'est pas pareil en fait la différence de. Parce que après il fait une game et il va les. Toute la soirée. Waouh. Sur toute la soirée. T'as pas réussi à passer Nao? Il est confiant. Non. Aïe. C'est dur. Après, en fait c'est parce que au-delà de 4, t'es obligé de faire des lobbies privés et du coup, ben y a que des gens super forts qui. Ouais, enfin, qui veulent jouer vraiment. C'est un peu investir en vrai. Hein, c'est un peu. Oui. Du coup, les gars, je vais vous quitter un peu plus tôt. Je vais aller train Smash. Voilà. J'ai besoin de. En vrai, gagner 20 subs, c'est pas mal. Bah, tu rigoles, mais si au nu tu gagnes, t'auras eu le plus gros cash prize de l'histoire de Smash quand même. Non, mais ça va. Pourquoi y'a pas un tournoi? Je viens d'avoir un message de Nintendo. Non, ils m'ont dit que t'avais pas le droit de jouer des subs, Ryan. Par contre, si tu m'offres du riz, là effectivement, ou une manette. Ah, ça sent l'histoire de Ninja. Ou une manette. Ah oui, c'est vrai qu'il a voulu mettre, je sais pas combien de millions, désolé Ryan. Il a voulu mettre des millions sur un demi-million. Et Nintendo a dit non. Bah oui. Mais là même pour les 20 subs, ils viennent de m'envoyer un message. Hein. 3 poires, ouais. 1 fruit du dragon. D'ailleurs on dit souvent qu'avec Nintendo il faut toujours faire et s'excuser parce que si tu demandes ils te diront jamais oui. Bah c'est réel. Hein. C'est la réalité. Mais même alors, parfois, bon alors là je parle pas de Nintendo. C'est rouge, c'est rouge mec. Je parle pas de Nintendo à proprement parler, mais parfois il y a des éditeurs où en gros ils tolèrent des trucs et il faut pas leur en parler. Genre même eux en interne ils te disent bah tu peux faire ça mais genre au téléphone ils te le disent comme ça il n'y a pas de trace. Tu le fais et c'est toléré et puis voilà quoi. Il y a des résistants dans les boîtes comme ça japonaises dans les endroits aux États-Unis ou en France. Ou en mais c'est surtout tout. Les US qui tankent pour le Japon en général. Ouais. Et en fait ils font faire et après ils disent ouais et même eux en interne ils font genre ils sont pas au courant. Tu vois. Ouais voilà c'est ça. Genre et ça n'a jamais existé. Exactement. Ah, merde, je me rappelle plus. John 3 rouges de poire. C'est banane. Oh il a essayé de prendre tout le monde. Alors. Ok, il y a 4 trucs qui sont pas les fruits. Bon, on les compte pas. J'ai jamais vu un truc. Moi, il est trop chiant. Est-ce qu'il ment? Mais non, mais si. Non, faut surtout jamais de la vie. Mais il était marqué 0. Par contre, il y a combien de bananes? 4 bananes et 3 durians. 4 jaunes, 3 verts, 2 marrons. Quoi? 4 jaunes, 3 verts, 2 marrons. C'est des durians, bro. Ah, c'est des durians. Verre de marron. Oui, c'est des durians. Il y a deux cocos. Yeah. Putain, okay. On va être beaucoup sur une seule plateforme là. Oui, ça va être hard. Ouais. Accrochez-vous. Il y en a qui vont mourir. Oh là, le bang. Waouh. C'est hardcore, Fall Guys. C'est plus que c'était. Attends, mais là, il y a personne qui. Non. Oh la game. Il y a Power Long Fall. Putain, mais ouais, mais là le niveau. Enfin, gagner une game, ça doit être super dur en vrai, dans un lobby comme ça. Non, mais ONU. Attends, on a les champions du FFS qui sont là. Eux-mêmes, ils sont. Oh là, qui est quoi? On va coller les teams. Et il va y avoir les 4. C'est vraiment un jeu de merde, ça. Oh là là, c'est vraiment un chier, ouais. Allez. Mais surtout qu'on est d'équipes différentes, du coup, vu qu'on n'est pas en lobby à 4. C'est vrai. On n'est pas des amis, quoi. J'espère que je suis avec Ulkia. Ça va, on rappelle le titre plein de jeux. Il y a plein de jeux, c'est des jeux différents. Regarde, là on joue à Fall Guys, mais c'est différent. Je suis jaune. Je suis bleu. Je suis jaune. Oh, let's go, on est avec Momo.
Merde, rouge, non. Tu rouge, c'est contaminé. Il est pas dessus dans la gamme. Coucou. Vendeur de sucre. Tiens, tu prends que les bleus, s'il te plaît. Tiens, bouge pas, bouge pas. Me grabez pas, Hein. Moi, je suis très gentil. En vrai, si Ultia joue pas, on a 100% win. Ah, je joue pas. Si, non, c'est beau parce que. Non, sortez quelle couleur, Ultia. Je joue ou pas alors. Ah oui, il fait gagner. Mais je joue. Mais en tous les cas, s'il y en a qui se fait gagner, fait gagner. Moi, je suis bleu, hein, Non, mais tu joues déjà. Bah, j'essaye d'avoir des. Je joue pas sur terminé. Ok. Oni joue pas, ça rien. Quoi? Ouais, je vais aller jouer à Smash en vrai, vous avez raison. Je joue à Smash en attendant. Ah, y'a Ultia vite, cassons-nous! Ils sont nos contaminés à nous, ONU, il est où? Y'a pas un mec qui est contaminé de chez nous? Ils font quoi? Je sais pas, moi en tout cas pour l'instant. Échos, là, hein. Mais c'est trop, y'a même plus les échos, ils sont revenus devant, on avait 17. Mais attends, mais ici. Les contaminés, ils sont éclatés, mais ils contaminent les gens, bordel! Mais je contamine, mais là ça fait depuis tout à l'heure que je peux plus contaminer personne! Quel est cet enfer? Est-ce que vous êtes nuls à chier, c'est relou? Oh, moment! Non, bah allez, tu sais quoi? Oh là là, on a. C'est vrai, c'est dur, hein! Ouf! J'ai deux doigts de livre. Il m'a littéralement sauté dessus. Ok, je pense que je vais aller voir cette personne qui va tomber là. Je suis tombé là. Non, mais la chemise. Je suis pas doué pour ces phases là. Parce que c'est plutôt naze, hein. Là. On a tapé 6 là, non mais vraiment. Reste 2 jaunes. On a un là-haut. On voit pas les bleus, sur les bleus. Mais what the fuck, ONU, genre. Je passe à travers les mailles du filet! Vas-y, mais quel jeu de merde! Let's go! C'est qui est passé du coup? Moi je suis passé, c'est Ultia aussi du coup. Ouais. Bah voilà Ultia, je t'avais dit qu'il fallait que tu sois dans mon équipe. Hein. Voilà. Ah non, non. Je l'ai dit au début. C'était dur. Bon, on relance, non, c'est vrai. Mec rageux, tu sais. Moi je vois plus rien après. Genre, tu sais, je sais plus, j'arrive plus à voir qui est contaminé, qui l'est pas, je comprends rien. Et tout le monde court dans tous les sens, les mecs contaminés. Ouais, c'est qu'ils sont contaminés, ils ont des nuages autour d'eux de rose. On va gagner le Ah, mais tu sais, je suis astigmate, mec, c'est vraiment chaud des fois ce genre de. Il l'a dit, un astigmate, dans la vie, c'est pas facile. C'est presbyte ou quoi? Non, astigmate. C'était énorme d'avoir mis des lunettes à Fab hier soir. Bah, ouais, il presbyte peu cher avec l'âge et tout. Peu cher. Je rigole, j'ai 2 ans quoi. Paye-moi cette game, honnêtement. Ok, ça va être. Oh, les cerceaux avec un lobby comme ça. Pff, ah. Allez, Ultia. Vous voulez que je vous montre une strat ou pas? Vas-y. Non, si je plonge là, regardez. Hop là, montez directement là-dessus. Il fallait être sûr de taper au vide. Parce que coup, absolument tout le monde a fait à côté de toi. Ouais, ah, ils ont fait ça aussi? Je. Non, peut-être que je me. Non, justement, non. En fait, moi, je suis monté en utilisant le trampoline. Ah, ok. La vie est dure là. Hein. Il est chiant avant le doré. Regarde, je le refais. Je l'ai loupé. Je viens de faire du coup. Okay, mais je l'aurais jamais en fait. Mais du coup, le but c'est pas d'aller chercher les anneaux? Non, mais là je m'entraîne à un concept qui est assez ouf. Putain, ah oui, plus. Voilà. Tu vas la perdre en fait, t'as une équipe, ok. Oh, ouais. Mais j'arrive plus, bah c'est, ouais, c'est perdu. Non, hein. Là, c'est bon. Oh, j'ai failli. J'ai réussi une fois. Ah non, quelqu'un a failli. C'est maintenant, c'est maintenant. J'ai un point. Attends, mais en gros, c'est bon, j'ai réussi. Tu te permets de temporiser les anneaux parce que tu vas commencer et après tu vas avoir. S'il a de la chatte et qu'il a un gold, il pop au milieu normalement le doré. Il y en a plus qu'un. Là maintenant, s'il a un gold, il reste plus qu'un doré. Et moi, je vais viser le doré. Les golds apparaissent que là au milieu? Non, pas tout le temps, mais souvent. Ok. En fait, les golds ils apparaissent souvent au milieu. Pour l'instant, il est pas joué. En fait, tant qu'il n'est pas joué par quelqu'un, tu vois, il y a des mecs qui sont dessus qui essaient de l'avoir. Là, il l'a eu. Donc là, il va peut-être arriver. Donc avec un peu de chance. Il est là-bas. Derrière. De l'autre côté, si tu veux. Y'a personne dessus. Y'a personne dessus, hein. Go le chercher, hein. Ah ouais. Go le tenter, hein. Ah oui, tenter là-bas. Avec ton propre arrête. Je le vois même pas, moi. Ouais, mais on va tellement me le voler. On va essayer de le voler. Mais regarde-les. Oui, mais bon, oh, c'est trop. Non, mais en fait, faut que j'attende qu'il respawn au milieu. En vrai, c'est plus. Ouais, c'est plus ça. ONU la tempo, quoi. Comme on l'appelle. 8 sur 13, je sais pas comment tu vas passer. Dommage, ONU, c'était. Une belle game. Attends, mais c'est pas fini. Y'a un doré là-bas. Ah, mais ils veulent pas le prendre, par contre. Ah, mais ils veulent pas le prendre aussi. Chercher les blancs au lieu d'être con là! Non, tu vas voir, j'aurai mon doré! Mais ils veulent pas le chercher, tu vas mourir, on va devoir mourir! Y'a un mec, c'est un duel, c'est un duel! On va montrer ça sur Twitch là! Vas-y, je suis vraiment pas forte pour les anneaux, j'y arrive vraiment pas! Non! Oh oui! C'est un scandale! C'est vraiment un scandale! T'es une merde! Oh, c'est un scandale! Bah, et le résultat, c'est le résultat qui compte! J'ai envie de vomir quoi! J'aime la merde! Oh non, je suis trop deg pour l'autre personne. Je trouve ça trop dur, les anneaux. Ouais, vraiment, j'y arrive pas du tout. C'est chaud. Il faut laisser de la RNG un peu, hein, mine de rien.
Ouais, c'est la RNG, je suis un peu deg là. Bah, c'est de la RNG ou de la triche comme l'a fait Onu Triche. Onu Triche. La triche. Mais il a fait quoi? Non, en vrai, du par coup, contre, j'étais qu'il y a une vraie strat. Il a juste triché quoi. Enfin, je dirais, ouais. Alors, en gros, il a attendu de pouvoir choper un truc en or, sauf qu'en fait, il était un peu loin, personne n'y allait. Ça donne 5 points, donc quasiment bah, la qualif. Ah ouais. Et il y avait un module à côté qu'il pouvait déplacer et sauter dedans. Sauf qu'il voulait pas déplacer parce qu'il voulait pas que des gens arrivent et lui volent pendant que lui oui, il déplace. Oui, c'est vrai. Et par contre, c'est ce qu'il a fait du coup. Des gens sont mis à le déplacer. Il a dit bah vas-y, moi je vais. Oui, bah oui, c'est horrible. Bah oui, mais faut le gagner. Mais oui, non, mais évidemment. Oh, c'était stylé ça. Oh, je vais vous montrer un truc. Si j'arrive à le faire. Si j'arrive à le faire, c'est gagné. Oui, sur le poteau. Ouais, mais c'est dur à faire, mais c'est free win par contre si tu l'as. C'est maintenant. Oh. T'es obligé de plonger? Ouais. Oui, ouais. Mais au dernier moment, faut plonger. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui essaye de faire la même. Oh, oh non, close. Rebondi. Ouais, petit rebond. T'es sûr que t'es safe parce qu'après on peut pas ouais. juste sauter en. Ouais, c'est dur. Hein. Je me retourne, en fait, je me retourne de l'autre côté et voilà. Oh, presque. Ah, dommage. Close encore. Maintenant. J'ai des potes qui sont venus chez moi mercredi soir et qui m'ont si ramené dur. Des clémentines. C'est absolument pas de saison, du coup elles ont oh, pas non. de goût. Mais je dois les manger. Voilà. Pendant que j'adore. Tu dis ça, personne essaye de te choper la queue. Si, juste ça va arriver. Bon, hein. Allez, des bisous tout le monde à ce soir pour ceux qui voilà. sont là. Des bisous. Ciao pour les traites. Et des bisous, maman. Bon RP, bon RP. Du coup, vous mangez des burgers ce soir, c'est ça? Fait par Onutrem. Exact. Et pays. Allez, bisous. Bisous. Il est chaud, lui. Attends. Il a l'air bon. Regardez, il met des feintes. Ah. Je l'ai fait avoir. Oh. 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 Oh non, ah. Attends, oh, le lag, oh, attends, il est en dessous. Oh, c'est bon. Mais non, il n'y a oh, pas Blo qui joue Donna sur son stream. 10 secondes. Oh. Est-ce qu'il va reparler de Lorenza, vous pensez aujourd'hui, Pablo? Il y avait quelqu'un qui s'est posé là-bas tranquille. Merci pour la modération sur le Discord, Powall, bien sûr. Il va falloir un moment. Oh non, j'ai essayé de l'attraper en vol. Oh, vas-y, ça n'a pas attrapé. Ah. C'est bon. Bah du coup on peut pas vous specter. Ah ça va être la finale là non? Mmh, ouais je crois pas non. Non il y a encore une game. Non je parle pas de. Je parle pas de Kuxen, je parle vraiment de Pablo. Est-ce que Pablo y a fait référence in game? Après j'ai voulu faire ma strat quoi. Pas passé. Game magique okay. T'es perso. Mais non c'est vrai. Mais mec c'est la finale. C'est vraiment la finale. Oui, c'est l'exemple. Ah oui, en plus oh, là, le rage kit, quoi. Oh, wow, non, mais j'ai rage kit parce que je suis vraiment un homme en colère en ce moment. Et... un homme en colère. Un homme en colère. J'allumais Smash, par contre, de mon côté. C'est... Non, mais après, il a dit qu'il allait garder le lore musical de Lorenza. C'est marrant parce qu'on est parti de débat. Ah, donc, il est pas fiancé et ça s'est jamais passé, du coup, d'après lui, c'est ça? Il y a Galen dans la room. Comme ça s'était jamais passé. Ça parle strat. Ah oui, j'ai pas passé le premier round, mais ouais, j'étais à travers. Oh non, Kalen. En train de manger en même temps. C'est vrai qu'on peut vous parler des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on fait? On assiste à la finale ou on relance? Là, ouais, on est en finale. Enfin, moi, je regarde on la finale. On est en finale. On est en finale. On est en finale. C'est vrai qu'on a fait des jeux. C'est pas faux. Mais c'est vrai que je partirais bien un peu sur Smash en vrai. Juste histoire de se terminer. De toute façon, moi à 17h, faut que je parte pour reprendre le train. Il a répondu à ton SMS et il va dire que t'es parti en tournée pour lancer ta carrière. Ok. D'accord, d'accord. C'est sympa en vrai. Allez-y sur pour essayer de lui envoyer des vocaux, parfois ça peut être marrant. Non, mais après, je sais que je crois que Nao et Ultia, vous voulez continuer à jouer à. Non, moi c'est bon, ça y est, j'ai un peu joué là. Vous jouez en game normal. Au pire, vous allez en lobby public si vous êtes plus que moins que 4. Si vraiment. Non, mais enfin, comment ça, vous allez faire quoi, vous? Bah, moi, j'aimerais bien une petite demi-heure de Smash, ouais, en vrai. Bah, de toute façon, on doit partir dans une demi-heure, donc oui, c'est bon, j'ai... Enfin, c'est vrai qu'il y a une demi-heure, j'ai dit que j'avais pas trop joué à Fall Guys, mais là, c'est bon, ça va. C'est vrai, c'est bien noté, tout ça, c'est bien noté. Moi, je joue pas à Smash, de toute façon, donc... Bah, va falloir télécharger le jeu d'ici une bonne demi-heure, ouais, ce serait cool de pouvoir se mettre, quoi. Plutôt d'ici 2 minutes, en vrai, mais... C'est des petits lobbies, Léa, à chaque fois sur Smash. Ah, c'est favorable. Parce que sinon, on passe plus notre temps à regarder le jeu plutôt que de vraiment jouer. Mais je vais voir combien on est. Le mec, tu vas être trop fort dessus. Et en plus, tu sais que... J'ai jamais joué. Nous, on a commencé il y a 6 mois. On a commencé il y a 6 mois. J'ai jamais joué celui-là. Oh là 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 là. Ah, c'est vrai, le dernier c'est Melee que j'ai joué sur GameCube à l'époque. Oui, bah pareil, il va nous terrasser, mec. Non, c'est pas pareil. C'est que Étoile, il va t'apprendre la vie sur le jeu, tu vas être trop fort. Attends, je vais regarder si j'ai bien le jeu. J'ai peur d'être trop nul, moi. C'est. Bah, vas-y, je crois que ça va me chauffer. Hein. Ah, bah, c'est vrai que Smash, c'est. Ah, ça pardonne pas. Ouais.
Après, je veux dire, chacun joue comme il veut, tu vois. C'est-à-dire que tu trouveras toujours des joueurs de ton niveau avec qui jouer, faire des arènes et tout. Mais faut kiffer ce délire de ressentir un petit peu la progression dans ton perso. C'est vrai que je trouve que le plaisir dans Smash vient quand même un peu avec, pas la victoire, mais ce truc de putain, j'ai fait des moves qui m'ont plu, j'ai réussi à rentrer ce que je voulais rentrer et tout, tu vois. C'est vrai. Bah, c'est vrai que quand t'es débutant vraiment sur Smash, tu te fais vraiment enchaîner, tu te fais vraiment casser la gueule quoi. En 1v1 mais genre tu peux faire du FFA avec objet ou du FFA. Parce qu'on avait fait ça la dernière fois justement chez Lutti avec les potes, on s'était fait un FFA à 4 sans objet et c'était assez drôle. Et genre par exemple Wingo a fait des deuxièmes places, des premières places alors que vraiment il avait 6 heures de jeu quoi. C'est pas moi qui joue, Nini. Nous, mais Wingo 6 heures de jeu, c'est Nao 80 heures de jeu, tu vois ce que je veux dire? Non, tu te sous-estimes pas. Non mais si, je suis une slow learneuse moi. Nous on prend pas de douche aussi. Hein. C'est ça aussi le truc. Oui, nous, c'est pas adaptateur Ethernet. Ugreen 15 balles. Ugreen 15 balles. Valeur sûre. T'as une Switch OLED ou une Switch normale? Mais je crois que c'est toi qui en parlais, Ultia, sur de Pokémon Unite, tu sais, le fait que tous les gens étaient trop forts au bout d'une semaine, etc. Et bah, je suis trop d'accord avec toi, tu vois. Oui, clairement. C'est normal. Non, bah, t'inquiète pas que Mario Foot, ça risque de se passer de la même manière. C'est... Ouais, ça va me dégoûter de la même manière, du coup. Oui, c'est exactement ça. En fait, le problème des nouveaux jeux, c'est que les gens vont kiffer et ils vont faire que ça de leur vie. Ils vont pas se doucher, ils vont pas dormir et... Ils vont prendre l'expérience que toi tu as, que tu fais tes 3-4 heures, ils auront déjà 50 heures. Donc c'est normal. Bah, c'est un peu ça, mais après ça t'empêche pas toi de peut-être jouer avec d'autres personnes, tu vois. C'est sûr, mais dans le Twitch game, c'est punitif quoi. Parce que les autres streamers, eux, c'est leur métier, donc ils font que ça, jeux vidéo, tu vois. Donc forcément, ça avance vite. Ouais, non, mais je comprends. Mais après, il y a pas mal de gens qui sont comme dans ton cas. Hein. C'est des gens qui jouent 2-3 heures par jour au lieu de 10-15 heures. Tu vas en trouver, hein. Ça existe beaucoup sur Twitch en mode professionnel streamer qui joue que 2-3 heures par jour. Mais non, mais par exemple, Ultia et toi, vous êtes le même truc, non? Enfin, vous jouez 2-3 heures et. Beaucoup plus que moi, je pense. Il dit n'importe quoi. Non, mais elle joue à des jeux différents, tu vois ce que je veux dire? Elle joue à plein de jeux différents, donc. Après, je sais pas, je peux me tromper. Hein. Parce qu'en fait, il me manque une place sur ma multiprise pour la Switch et je ne comprends pas comment c'est seulement possible. Voilà, tu vois, j'avais raison. Enfin, c'est... Tu vois, je joue à plein de jeux. Elle est aussi slow-runneuse. Il y a une différence entre le Ugreen USB 3.0 et 2.0 ou... Je crois qu'il y a un problème. Ouais, mais non, parce que sur la Switch, il n'y a pas un problème 3.0 conversion, je sais pas quoi. Ah, mais attends, sur la Switch, il n'y a pas de port 3.0. En fait. Voilà, c'est ça, il y a un bail comme ça, fais gaffe. Pas envie de dire de la merde. Le 2.0 suffit largement, quoi. Je crois. Mais je crois que j'ai 3.0, j'ai pas... Ouais, je vois, peut-être que... Du coup, je vais vous laisser sur Smash, moi je vais repartir tranquillou. Ciao, bisous. Je vous fais des bisous. Smash, des bisous, Nao. Bisous, Jai, à tout. Ciao, Nao. Ciao, ciao.